21h minuit sur Énergie, en podcast sur énergie.fr. Bon, Émilie qui a 20 ans là, et qui voulait réagir à la Saint-Valentin justement. Alors Émilie, est-ce que t'es casée, pas casée? Comment ça se passe? Oui, je suis avec quelqu'un depuis presque 2 ans. D'accord. Et en fait, pour la Saint-Valentin, on devait partir en amoureux. Il m'a invité dans un hôtel assez réputé à Nancy. Et le problème, c'est qu'on a appelé ce soir parce qu'il avait complètement oublié de réserver. Ah merde. Et c'est plein. Attends, ouais, voilà. Attends, juste un truc. Tant qu'à faire de t'offrir un bel hôtel, pourquoi le faire à Nancy? Bah parce que c'est un bel hôtel à Nancy. Connu, ouais, d'accord, mais là en fait. La place Stanislas et tout. Donc voilà, ah ouais, non, où ça? Non, mais arrête, non, la place Stan est jolie, mais enfin quand même. Tu t'écartes un peu, tu vas dans la forêt, tu vas dans un truc comme ça. Non. Franchement, chacun son trip. Ça vaut le coup. Si c'est pour une nuit que tu vas juste pour kiffer la chambre, ça vaut le coup quoi. Ah bah génial la Saint-Valentin. Bah autant avoir. Ah non, c'est en semaine. Mais non, c'est la Saint-Valentin, tu vas juste pour la nuit, pour le kiff, machin, pour le kiff de la chambre. Le prix de l'hôtel le 14 février, mais... ou le du 13 au 14, ou du 14 au 15, ça doit être... Bah ouais, c'est aussi un peu ça, quoi, pour le cadeau de la Saint-Valentin, quoi. Non, ça doit... faire ça... un surprise, quoi, bien. Non, mais ça doit être d'une violence, le prix de l'hôtel. Ouais. Un truc de ouf, hein. Enfin bon. Et bon, alors du coup, vous avez prévu quoi? Vous allez faire quoi? Bah rien. Ah, vous allez rien faire? Il va rester faire, à la maison, et il fera abstinence parce qu'il a oublié. Ah donc non, allez... quand même pas, mais bon. Attends, mais comment est-ce qu'on oublie, enfin comment est-ce qu'on prépare tout un truc et qu'on oublie de réserver l'hôtel? Bah, c'est un détail, c'est le détail qui fait que... C'est juste toute la base du dos, c'est il a oublié. Bah, à la limite, non, en fait, il a oublié, à mon avis, voilà, il avait pas envie spécialement, ou j'en sais rien, mais il a pas l'argent. Non, mais, peut-être que c'est du mytho, il est en train de te foutre en rage alors qu'en fait mais il est réservé. Je te dis, il t'a promis un super hôtel à Nancy, tu vas finir dans un bonsaï à Metz. Non, c'est pas possible. C'est vrai. Propose-lui d'aller dans le bonsaï à Metz. Là, t'auras de la place. Hein. Et là, je pense que tu peux kiffer ta nuit. Quoi. Bah si, ce sera pas complet. Hein. Ah oui. Ah non. Si elle l'emmène dans un bonsaï à Metz, au moins l'année prochaine, il n'oubliera pas de réserver. Comme on est sympa, si vous y allez, vous nous envoyez la facture, on vous la rembourse. Oh. Oui, sauf le minimum. T'offres pas tes factures. Non, mais Emily va pas là-bas. Sauf le petit déj. Vaut mieux que tu restes chez Watt. Hein. Non, y a rien. Ouais, c'est clair. Non, y a rien. C'est dommage, hein. T'offres payer ta facture. Mais non, mais quel intérêt. Bah, d'accord, moi je vais y aller juste pour le principe qu'il paye. Ça va te coûter plus cher d'aller là-bas, jusque là-bas avec le train ou avec la voiture que la nuit. Et puis en plus, pour passer la nuit au bonsaï. Laisse tomber quoi. Et attention, il faudra que tu ramènes une preuve que tu as bien dormi au bonsaï. Hein. Bien sûr, donc une vidéo en fait qui accessoirement filmera vos ébats. Les séquelles, ça suffit. Oui, ouais, c'est les que tu auras sur les bras. C'est ça, et les séquelles aussi, ouais. Bon, bah Émilie, tiens-nous au courant pour voir finalement s'il a oublié ou si c'était juste une surprise. Bah à mon avis, oui, parce que j'ai appelé ce soir avec lui et j'ai eu carrément la fille au téléphone et tout. Voilà quoi. Ouais, mais tu sais, peut-être qu'il avait appelé avant et tout. Après, je me fais peut-être un film. Je pense, oui. Alors qu'en fait, le mec, il a complètement tout oublié. Hein. C'est comme dans Les Experts, en fait. J'ai vu ça il y a quelques jours. C'est con, en fait. Mais tu vois, je suis certain que c'est déjà arrivé à 10 000 personnes. C'est donc, si tu veux, t'as le. Comment il s'appelle le black? J'ai oublié. Arnold. Warwick. Warwick Brown. Voilà. Ouais, Warwick. Parti sur Dionne Warwick. Voilà. Et donc non, c'est Warwick. Donc il est dans un casino en fait, dans la salle des commandes, si tu veux. Et il a caméra surtout. Et il voit sa femme qui est dans le casino, sauf qu'elle a rien à foutre là. Et donc il lui téléphone et dit ah ça va chérie. Oui, t'es où? Ah ben je suis en train de me faire les ongles, tout le bordel, etc. Et puis il me dit ouais, te fous pas de ma gueule, je suis en train de te voir. Et puis tu sais, il l'envoie chier. Bah casse-toi, tu rentreras pas à la maison. Va te faire foutre, j'aurais changé les serrures. Alors qu'en fait, elle était en train de lui préparer son cadeau d'anniversaire avec des mecs qu'elle connaissait. Ah, putain, tu vois. Et donc là, tu passes pour un con en fait. Mais c'est bien parce que voilà, c'est une bonne excuse pour lui chier dessus toute la soirée. Mais ouais, mais tu vois, c'est-à-dire qu'il y a un moment, tu grilles ta meuf en train de te mitonner. Tu peux pas savoir qu'elle te prépare une surprise. Oui, je sais. Mais bon, voilà. C'est une bonne excuse pour la meuf pour lui chier dessus toute la soirée. Bah, elle lui avait répondu, enfin, c'est dans la série. Lui dire là, ses quatre vérités, seul, que c'est un pauvre con et qu'il est vrai. Mais non, parce que, mais l'inverse aurait été c'est pareil. Merde. Non, mais tu grilles ton mec et il dit ouais, je suis en train de, je suis au garage là, en train de réparer la voiture. Ouais. Alors que tu le vois en train de discuter avec d'autres personnes dans un endroit qui n'a rien à voir avec un garage, tu le défonces. Mais grave. Bah, voilà, ça se trouve, c'est pour préparer ton cadeau d'anniversaire. Oui, mais après, je le défonce quand même parce que ça sera déjà fait, donc. Ouais, finis la défonce, quoi. Parce que quoi qu'il arrive. Si. Ouais, c'est ça. Ouais. Après, ouais, bon, heureusement. Ouh, ça va, tu dis merci quand même. Moi, je nique la surprise. Je dis, ah ouais, tu veux. Je la laisse gueuler. Ah, moi aussi. Et à la fin, je dis, c'était juste pour le cadeau, et ton cadeau, c'est ça, et ton cadeau, tu ne l'auras pas. Ouais, c'est ça. Et pourquoi tu renquilles sur une autre embrouille? Mais au moins, c'est tu te sens bien. Ah, moi, c'est mon kiff oui, en général. Bien, oui. Quand j'ai des meufs, les meufs qui me saoulent, ah, je suis là, j'attends. Sa gueule, et puis ça c'est énervant quoi. C'est alors je fais, c'est fini.
Tu sais, j'attends, et puis c'est fini. Ouais, ouais, bah très bien. Mais bon, au final, on bouffe quoi ce soir? On fait un truc. Au final, vaut mieux que vous fassiez ce que vous voulez, parce que si tu fais rien, ça va énerver encore plus, ça va te défoncer encore plus. Mais si tu réponds, bah ça va s'engrainer encore plus. C'est bien les meufs, jamais contentes. C'est bien là, ouais voilà. C'est pour ça quand il y a une embrouille, vous faites ce que vous voulez quoi. Ah oui, mais c'est ce qu'en général. Parce qu'il y aura torchade quand même. Et voilà, c'est ça. Les experts en parlaient là. La vérité si je mens, qui est juste une comédie énorme pour le cinéma français, a fait 4 millions. Enfin, la moitié quoi. Ouais, 4 millions et demi de téléspectateurs, et les experts, juste une petite série comme ça américaine qui passe sur TF1, 9 millions 1. Oh putain. Ouais, parce que les gens veulent savoir la suite quand tu regardes ça, je pense. Non, il y a pas. Ça dépend. Il y a certains épisodes où t'as des suites, mais Et l'inspecteur Barnaby a battu Zone Interdite. Oh. Barnaby a battu 3,4. Barnaby, c'est un dessin animé. Et 3 Zone Interdite. Non, c'est genre Louis la Brocante. Ouais, c'est horrible quoi. Ouais, mais déjà que Louis la Brocante, c'est ça cartonne quand même, il paraît. Je dis pas contraire. Tous les étés, ils nous mettent ça. Ouais, mais c'est en région. Non, mais les grosses têtes, ça cartonne aussi. C'est relou pourtant. Hein. Oui, mais parce qu'il y a rien d'autre aussi, hein, peut-être. Si. Bah là, Zone Interdite, c'est chaud. Ça fera plaisir à ceux qui sont face. Tiens, il y a message qui dit ta boule, c'est de la graisse, ça se retire facilement. Généralement, c'est génétique. Un mollusque. Bizarre hein, que ce soit là quand même. Ça vient des mollusques. Ouais, c'est bizarre. Ah, c'est peut-être perdu. Hein. Ouais, peut-être. Ouais. Bon, attends, il y a Vincent qui est là également à la ville de Jack. Allô Vincent, enfin le patelin de Jack plutôt. Allô Vincent. Ah là où je suis né, ouais. Oui. Ça va bien Vincent? Ouais, ça va et toi? Bah écoute, ça va, sinon la boule, mais enfin on va pas en parler toute la nuit. Hein. Bah, c'est ça. Ouais. C'est pas grave, c'est pas dramatique en soi. Qu'est-ce qui se passe Vincent? Tu voulais parler de la Saint-Valentin toi? Bah ouais. Mais t'as 12 ans? Oui, mais. Tu veux savoir? En fait à notre collège, ils font un stand où ils vendent des roses. Blanche pour les amoureux, pour les amis, et ouais. Rouge pour les amoureux. Ouais. Et voilà. Et c'est mignon. Ouais. Et c'est ça que tu vas offrir à ton amoureuse? Quoi? C'est ce que tu vas offrir à ton amoureuse? Non, c'est je un peu elle, mais quoi, c'est l'amoureuse. C'est des élèves qui vendent? Bah, en fait, c'est des deuxièmes secondaires qui organisent, et alors on écrit le nom de... Oh c'est mignon. Et combien la rose? Bah, ça chauffe de cher. Bah, une blinde, comme d'habitude. Bah non, c'est à l'école. C'est combien la justement, rose Vincent? C'est combien la rose? Ah quand 20. Même hein. Oh. Et 1,20€ bâtard. La thune elle part pour quoi? Quoi? La drogue. Bah, je sais pas, c'est pour les roses quoi. Et toi tu vas pas le faire? Bah moi j'ai offert à ma meilleure amie. Ah, t'as pas d'amoureuse encore? Non. Ouais, c'est pas grave, ça va venir hein. Ouais. Ouais, t'as le temps encore hein. Faut muer hein, pour ça en général. Oh. Non, pas obligé. Non, si, franchement, tu peux pas sortir avec une meuf quand t'as la même voix qu'elle. Bah non. C'est pas grave ça. Ben voilà. Fini. Ouais. Ah oui, depuis longtemps. Très bien. Non, mais je pose la question quand même, hein, cela dit. Hein. Bon, Vincent, donc concrètement, t'en as acheté combien des roses? T'en as acheté une à ta mère? Non. Grand-mère. Non, très bien. La grand-mère non plus? J'ai acheté que à ma meilleure amie. Oh. Ah, c'est ta meilleure amie. Mais il vient de le dire, vous écoutez t'as... pas les non, mais gars. C'est blanche. Non, mais t'as envie de te la pécho. T'aimerais bien la serrer. Monsieur. Non. Bah, tu peux le dire, hein, Vincent, entre nous. Mais non. Mais si, t'as envie de te la serrer. Non. Hein, tu veux que ça soit ta première fois? Non, attends, elle est à côté de toi, là? Non. Elle écoute la radio, t'as dit que tu passais? Non. Mmh. Elle écoute Énergie ouais. D'habitude? Non. Bah, c'est pas ta meilleure amie, hein. Très bien, ouais, bah, c'est ça. Ouais. Bon, Émilie, t'es d'accord avec moi, il a envie de se la serrer? Ouais, je pense, ouais. Oh, c'est bizarre qu'il envoie des fleurs à sa copine comme ça. Bah, si, parce qu'il sait pas à qui offrir, il a envie d'offrir, alors non, il offre à sa meilleure amie, faut arrêter là. Il envoie à moi, vu que comme ça j'aurai une surprise. Ah, Vincent, attend. T'as une touche avec Émilie, 20 ans. Ah oui, 20 ans, et 20 non, ans, Émilie. T'as non, une touche avec Émilie, 20 ans, Émilie. Non, sinon, moi je la veux bien, la touche, par contre. Bah ouais, mais elle a déjà un mec. Ah oui, c'est vrai, merde. Ah ouais, c'est ça, ouais. Explique-moi comment tu peux nous dire que t'as pas envie de sortir avec ta meilleure amie, alors que tu attends le jour, enfin. La semaine de la Saint-Valentin pour lui acheter une rose. Bah non, mais c'est parce qu'ils font ça. Il vient de t'expliquer. Aussi. Oui. Il t'a dit Balu, c'est la rose c'est rouge ça, pour ouais. Les amoureux, la rose blanche pour l'amitié. Oui. Bon bah très bien, on verra, ouais. Bon bah Vincent, bonne bourre, sors couvert. Hein. Ouais, et je pourrais avoir le standard. Ouais, je te repasse les rillettes, pas de soucis. Salut Vincent, okay. À bientôt. Salut. Et tiens-nous au jus, Emilie aussi, hein, d'accord? Ouais, ça marche, y'a pas bon. De soucis. Allez, et bonne soirée. Je peux juste faire une petite dédicace? Vas-y, ouais. Je voudrais faire une spéciale dédicace à mon chéri, déjà, tu dois écouter, Geoffrey. Oui, hein, donc et surtout... Tu as oublié de le remercier pour la petite soirée de demain. Oui, voilà, exactement. Bon, où il n'aura absolument rien sexuellement parlant. Le pauvre. Que dalle. Qui le pauvre. Non, quand même. Même pas une petite pipe. Rien. Non, mais rien. Rien, il ne mérite rien. Rien du tout. Non, on verra. Rien.
Et aussi à mon petit frère Vincent et à toute sa classe de STS1 de Cormontaigne. D'accord. Voilà, parce qu'il est à côté de moi, il vous écoute en même temps. Bah bon, l'embrasse. Il est comme un fou, enfin bref, et puis voilà, tous ceux qui me reconnaîtront. Très bien, hey, le petit frère, après demain soir, ta sœur, alors elle a les pattes arrière cassées. Voilà. Parce que tu l'as jamais vue comme ça, ta sœur. Mais imagine-la à quatre pattes avec son mec derrière. Eh ouais, exactement, pour la Saint-Valentin, ouais. Avec des trucs en bouche. Le pauvre, il va être choqué. Quand tu entends des bruits bizarres dans sa chambre et qu'elle n'est pas seule, eh bien ce n'est pas le. Exactement, ce n'est pas juste parce ouais. que le lit grince. Bon, salut Émilie. Dessus. Vous voulez me repasser le standard? Ouais, ouais, je te repasse les rillettes d'office, c'est pas de problème. Merci. Salut Émilie, ciao. Retrouve l'émission sans interdit dans son intégralité sur michael.fm ou tous les soirs dès 20h sur Énergie.